On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on va vous montrer des images vraiment extraordinaires. C'est un photographe qui, par la suite, est devenu pilote. Il a décidé de faire un livre sur le Richelieu à vol d'oiseau. Il s'appelle Laurent Lucuix et on le reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de tourisme en Montérégie. Il y a un nouveau président. Il y a aussi une planification stratégique qui est en cours. Un peu de bilan et de faits saillants également de tourisme Montérégie. Puisqu'on est à l'approche de l'été, c'est le moment de parler de tourisme. Et le tourisme, c'est à longueur d'année aujourd'hui, puis pas juste à travers le monde, mais ici même chez nous, dans notre région et dans la belle région de la Montérégie. Deux invités pour parler du sujet. D'abord, Josée Julien, qui est la directrice générale de Tourisme Montérégie. Bonjour. Bonjour. Et votre nouveau président, M. Régent Parent, président du conseil d'administration. Bonsoir et bienvenue. Bonjour. Madame Julien, Madame Josée, oui. Comment se porte le tourisme en Montérégie? Il se porte bien. Certaines, particulièrement au niveau de l'année 2014, l'année a été quand même fluctuée. Donc, avec un 6 mois de croissance au niveau du taux d'hébergement, avec un 6 mois de décroissance. Pour ce qui est des attraits, ainsi que tous les produits agro-touristiques de la région, ça a été une année quand même variable. Donc, un début de saison difficile, un peu comme cette année, ouais. Particulièrement, mais avec une fin de saison extraordinaire où les partenaires de l'industrie touristique qui sont très tributaires de Dame Nature et des conditions climatiques, ont été capables de récupérer le manque à gagner du début de saison. Et pour ce qui est des musées, ce qui est très particulier, c'est que pour certains, ça a été extrêmement performant. Et ouais. Pour d'autres, ça a été plus médiocre, mais disons moyen, disons. Bon. Parlez-nous un peu de votre structure, parce que les gens connaissent l'appellation Tourisme Montérégie, oui. Qui est en fait une ATM, c'est encore ça aujourd'hui? Une association touristique régionale. Régionale, une ATR, c'est une ça, l'ATR de la Montérégie. Et parlez-nous un peu de votre système de fonctionnement, parce que vous avez un conseil d'administration. Comment ça fonctionne en Montérégie? Bien, l'association touristique régionale de la Montérégie est l'interlocuteur privilégié de Tourisme Québec en région. Donc, vous avez 22 régions touristiques au Québec. Donc, et chaque région a ce qu'on appelle une ATR, qui est leur l'interlocuteur privilégié. Et chaque ATR est constitué d'un conseil d'administration. Dépendamment d'une ATR à l'autre, le conseil d'administration peut varier. Nous, le conseil d'administration est constitué de 17 membres, dont 3 sont des représentants de territoires, qui à la base étaient des territoires de CRI. Mais depuis l'abolition des CRI, donc en Montérégie, les règlements généraux ont été changés cette année pour aller chercher un représentant par territoire, ancien territoire de CRI. Et on a également un conseil d'administration de 17 administrateurs. Bien, c'est là, il y a la nécessité d'avoir un conseil exécutif qui est constitué de 5 membres du conseil d'administration. Super. Et qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez au monde du tourisme? C'est arrivé comment dans votre vie, ça? C'est arrivé par le vélo, bien sûr. Étant président de Réseau Vert, qui est le réseau cycliste en Montérégie, 600 km de pistes cyclables, j'ai commencé à m'intéresser à ce moment-là. J'étais même directeur général de la petite ville de Sainte-Catherine en banlieue, ici sur la rive sud. Et à un moment donné, on m'a invité à être impliqué en matière touristique. Et ça fait presque 20 ans maintenant que je siège au conseil d'administration de Tourisme Montérégie, à titre de représentant du conseil. Bon, et qu'est-ce qui fait que vous avez accepté la présidence cette fois-ci? Écoutez, il y a des défis nouveaux qui s'en viennent à l'horizon, que j'ai trouvé très intéressants, entre autres, la révision de notre gouvernance. Vous savez, il y a eu certaines problématiques avec le tourisme Montréal, et donc on est à revoir l'ensemble des politiques. Également, on est en voie de revoir toute notre planification stratégique pour les prochaines années. Et également, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est essentiellement la formation des administrateurs en gouvernance. Ce n'est pas toujours compris le rôle d'un membre de conseil d'administration. Il y en a qui pensent qu'ils s'en viennent défendre leurs propres idées ou ils veulent profiter de leur intérêt personnel là-dedans. Alors, ça risque d'être un petit changement culturel dans le fonctionnement du conseil d'administration. Donc, vous, c'est vraiment ce qui vous intéresse de développer pour les enjeux, disons, c'est futurs. Comme ça que je perçois mon rôle de président au moment de l'évolution de cette organisation-là. D'ailleurs, je siège sur multiples conseils d'administration, 5-6 en tout. J'ai déjà été d'ailleurs président du conseil patronal de santé et sécurité au travail, où j'ai été impliqué dans une démarche de cette nature-là. Est-ce que c'est pas ça un peu la difficulté dans une ATR ou même dans les offices du tourisme? Je me rappelle quand j'ai commencé ma carrière en journalisme, il y a près de 30 ans,
et vous l'avez dit tantôt, souvent les gens défendent leur propre entreprise, pensent qu'en allant au conseil, ça va donner de la visibilité à leur entreprise. Mais au final, quand on est sur un conseil d'administration, c'est un peu comme quand on devient premier ministre. On est premier ministre de tous les Québécois. Hein? C'est un peu galvaudé comme expression, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand on siège sur le CA d'une OTR, bien, on défend tout le monde, là, c'est ça. Vous avez raison. La particularité qu'on a à Tourisme Montérégie, c'est qu'on a modifié considérablement nos approches marketing qui étaient, avant la venue de la taxe d'annuité, beaucoup centrées sur les territoires. Ouais. On faisait la promotion de telle ville, de telle activité, tel événement. Alors qu'avec tout un renouveau de marketing, on a plutôt pris une approche par produit. Alors, on a des produits vedettes, vous savez, l'érable, la pomme, bien sûr, le vélo, question d'affaires, l'agrotourisme. Tantôt, vous interrogiez, je pense, un fromager qui va tenir un événement intéressant. Alors, ça a amené, je pense, un mode de fonctionnement très intéressant. Et d'ailleurs, je lisais récemment des articles de certains experts, entre autres émanant de la chaire de tourisme, et que... les organisations sont appelées à vendre des produits et non pas des territoires. Tout à fait. José Julien, oui. M. Parent faisait référence tantôt à de la gouvernance. Faisait référence avec Tourisme Montréal. Quel est l'enjeu pour Tourisme Montérégie à l'égard? Est-ce qu'il y a une compétition qui existe ou quel est l'enjeu que vous avez par rapport à Montréal? Par rapport à Montréal, au contraire, c'est sûr et certain que chaque région, durant la saison estivale, c'est la période où il va y avoir le plus d'investissements pour les escapades ou du moins pour les régions de destination. Donc, on s'entend que la période de concurrence, elle est relativement courte, là, sur une période de 4-5 mois. Mais en contrepartie, il y a un changement évident qui s'est effectué au cours des dernières années où il y a une collaboration beaucoup plus étroite au sein de les ATR du Québec. C'est plus facile maintenant? C'est beaucoup. Ouais. Bien, je ne dis pas que ça était difficile. Ce n'est pas ça que je dis. Ce n'était pas difficile parce qu'on a toujours travaillé en réseau. On a toujours travaillé, partagé des informations. Mais au niveau de travailler de concert sur certains créneaux particulièrement, donc je vous donne un exemple, 2017 s'en vient. Oui. Bien, il va y avoir le 375e de Montréal, il va y avoir le 375e de Sorel-Tracy à ce moment-là. Donc, c'est normal de travailler ensemble parce que systématiquement, il va y avoir du débordement. Donc, c'est juste de regarder nos forces respectives et d'y trouver qu'est-ce qui va être gagnant-gagnant pour chacune des régions. Donc, si je prends pour Montréal, ce qu'on a besoin, c'est beaucoup plus de récurrence de séjour, nous également, mais aussi beaucoup plus de récurrence et de rétention d'excursionnistes. Ouais. Donc, on peut donner son jardin de jeu, là, directement. Donc, on est beaucoup dans cette mouvance-là. Donc, vous augmentez les collaborations, si on veut, c'est ça? Plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Vous faisiez référence tantôt à la planification stratégique pour une organisation, c'est quand même assez important. Donc, ce que je présume, c'est qu'avec l'arrivée du nouveau conseil, donc vous allez entamer cette démarche-là? Exact. Maintenant, il y a des variables impondérables au moment où on se parle. Évidemment, vous savez, toutes les modifications que le gouvernement apporte à l'aide du support des différents organismes. Il y a eu l'abolition des CLD, il y a eu l'abolition des CRE. Disons, pour le moment, le monde du tourisme est en attente un peu du positionnement que la ministre, Mme Vien, va nous lancer. Et disons que c'est prématuré d'entreprendre immédiatement sans savoir quel va être, comme dit José, notre terrain de jeu pour l'année prochaine. Quel est l'impact pour un organisme comme le vôtre que le gouvernement ait aboli les CLD, les centres locaux de développement ou les CRI, là, les conseils régionaux des élus? Ça a quel impact pour vous? Je vais laisser José répondre à celle-là. c'est un impact majeur. Bien, ça a des impacts majeurs en termes de développement, mais aussi en termes de sources de financement et en termes de sources de revenus. Sources de financement pour plusieurs partenaires de l'industrie touristique, qui, via les fonds de développement qui avaient été mis en place dans les territoires de CRI, faisant en sorte que certains entrepreneurs pouvaient bénéficier de sources de financement pour venir bonifier leur offre touristique ou leurs produits. Il y avait un travail de concertation aussi qui se faisait, donc au sein des territoires de CRI. Et en termes de retombées au niveau de Tourisme Montérégie, bien, c'est sûr et certain que nous, dans les dernières années, on a travaillé
intensivement pour se rapprocher davantage de nos milieux respectifs, de créer des protocoles d'entente et des protocoles d'entente qui avaient une connotation financière également, mais ce qui fait en sorte que par l'abolition des CRE et des CLD, mais ces protocoles d'entente-là sont tombés officiellement et non officieusement. Ouais. On continue à collaborer ensemble parce que, tu sais, je veux dire, on va se la jouer quand même bon partenaire, ouais. là. Mais en termes de retombées... Mais ce que ça veut dire, en fait, c'est que tant que le gouvernement n'aura pas clarifié ces questions-là, ça va être difficile pour vous d'entamer la planification stratégique. Bien, non, la planification, je veux dire, on ne la commencera pas, parce que le ministre va nous donner quand même une réponse d'ici la fin de l'été. Puis la planification stratégique, supposée, effectivement. Puis la planification stratégique va être à l'automne, donc au début de l'automne. Donc, en devenant le cas où il y a des changements à apporter, bien, c'est sûr, certain que la planification stratégique prendra en considération les pistes d'orientation ou de priorité que la ministre aurait identifiées. Là. Sinon, vous, M. Parent, qu'est-ce que vous voyez comme enjeu pour les 5 prochaines années quand on regarde le développement de tourisme Montérégie? Essentiellement, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est notre capacité à augmenter, disons, la venue des excursionnistes sur notre territoire. Parce qu'il faut quand même être réaliste. Nous ne sommes pas une destination de type Charlevoix ou Canton de l'Est ou les Laurentides. Alors, c'est plus toute la question du domaine des affaires. On est dans le mariage. Ouais. Alors, c'est de trouver de nouveaux créneaux. Et certains créneaux sont prometteurs, entre autres, toute la question nautique le long du Richelieu, par exemple. C'est des choses qu'on va examiner en termes de produits potentiels. Il y a d'autres éléments qu'on pourrait également examiner. Il y a toute la question de la venue des sports. Par exemple, en fin de semaine, à Brassard, il y avait les finales montérégiennes du flag football, du réseau scolaire des étudiants du Québec, réseau des sports des étudiants du Québec. Il y avait du monde à... Ben, comme à Saint-Jean, il y a 2 semaines, il y avait le championnat canadien de judo. Là. Oui, c'était 700 jeunes. Oui, les gens se demandaient qu'est-ce qui se passait dans la ville. Il y avait du monde partout. Il y a un créneau très important d'attirance et on a des facilités. Mais ça, c'était, on était partenaires dans le cadre de cet événement-là pour supporter majeur, parce que majeur, ça fait partie de notre rôle d'ambassadeur puis de facilitateur d'aider ces gens-là à amener les fédérations sportives à tenir leurs événements en région. En terminant, oui. Il y a un autre élément, je pense, qui est bien, bien important. C'est la modification de notre promotion qui a été axée dans les années antérieures, principalement sur la question des circulaires, des pamphlets, etc. Ouais. Et là, il faut aller vers les techniques d'information moderne. C'est bien sûr, on va y aller web to drive, c'est comme ça qu'appellent ça eux autres, là. Ouais. Je comprends peut-être pas tout ce que ça veut dire, mais ce que je sais, c'est qu'on s'en va dans la bonne direction. En terminant, quels sont les principaux, disons, attraits là, incontournables de l'été? Là? Bon, on parlait de vélo tantôt, ça, je pense que c'est assez clair. Mais sinon, mis à part le vélo, en Montérégie, c'est quoi les incontournables? Bien, c'est sûr certain qu'on est une région d'escapade. Alors, tout ce qui est les lieux historiques nationaux, le parc Seferi, tout ce qui est les parcs nationaux de la CEPAC, vous avez la route des vins, la route des cygnes, qui sont des incontournables, la route du Richelieu. On vient de lancer un nouveau circuit pour le mototourisme tout au long de la route du Richelieu. Alors, écoutez, il y en a pour tous les goûts, autant intérieur, extérieur, les activités aquatiques. On a parlé de la rivière, le nautisme. Alors, ce sont nos produits de niche. Et on espère du beau temps. Tout à fait. Oui. On l'a commandé. Merci beaucoup. Hein? Merci. Merci. Restez avec nous, puisque tantôt, on parlait justement du Richelieu. On va parler du Richelieu, mais à vol d'oiseau. Confort de votre foyer. Télé-bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Vous
Vous est-il déjà pensé un jour de survoler le Richelieu à vol d'oiseau? Et tant qu'à y être, aussi bien y prendre quelques photos au passage. C'est peut-être ce qui est passé par la tête de notre invité, Laurent Lucuix, qui est pilote et photographe et qui nous arrive avec le Richelieu à vol d'oiseau. Bonjour et bienvenue. Bien, bonjour. D'où vient cette idée? Disons que ça fait quelques décennies que je suis photographe, donc ça fait assez un certain temps. Et j'ai commencé à être exposé, en fait, au vol. Ça fait longtemps que je rêve de voler. J'ai essayé différentes formes de vol. Juillet 2012, j'ai eu l'occasion de pratiquer pour la première fois ce qu'on appelle de l'ultraléger motorisé pendulaire à Saint-Hyacinthe, une petite école qui s'appelle Rouer Aviation. Et là, j'ai fait mon premier vol et en fait, je me suis posé et j'ai su ce jour-là que j'étais drogué, j'étais accro, j'étais fichu. Donc, j'ai continué à prendre mes cours et éventuellement, j'ai acquis ma propre machine volante. Et en volant, je vivais des moments moi, je qualifie d'extase quand la nature nous offre quelque chose qui est absolument grandiose et magnifique. Et je vivais ça et je me rendais compte que j'étais le seul, en fait, à vivre ça. Et j'avais le goût de le partager. Alors, je me suis dit, écoutez, je suis photographe. Pourquoi pas essayer de commencer à partager un peu ce que je vois en le mettant sur des photos. Et c'est de là un peu que la jeunesse de ce livre est arrivée. Et j'ai commencé un peu à présenter cette idée-là à différentes personnes, cette idée de livre qui germait dans ma tête. Et j'ai senti qu'il y avait effectivement un engouement qui arrivait parmi différents intervenants de la région. Et ça m'a motivé donc à mener ce projet à terme. Bon. Et pourquoi le Richelieu? Pourquoi cette région-ci? Moi, je suis résident de Mont-Saint-Hilaire. Donc, c'est une région où je reste maintenant. Je suis à Saint-Hilaire depuis 13 ans. Et c'est une région que j'aime énormément. Donc, c'est sûr qu'évidemment, commençant mes cours, ensuite ayant ma propre machine, mon appareil est basé à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Donc, évidemment, quand je décolle, je suis en plein milieu du Richelieu. Et puis, j'ai commencé à explorer un peu de chaque bord et j'ai eu des coups de foudre. Et là, vous êtes équipé de quelle façon, évidemment, pour les amateurs d'appareils photo, vous utilisez quel type d'équipement quand vous êtes en vol? Le type d'équipement que j'utilise est un équipement très professionnel qu'on appelle du Hasselblad. C'est un matériel qui est très haut de gamme et qui me permet d'avoir une qualité, un rendu d'image qui est exceptionnel. Parce que là, évidemment, on va détruire un mythe. Là. Vous n'êtes pas installé avec une GoPro. Là. On n'est pas là du tout. Hein? Non, je ne veux pas vous insulter. Non, mais pour que les gens comprennent, mais comment physiquement êtes-vous en mesure de prendre les photos alors que vous devez... En même temps, je présume, piloter l'appareil. Oui, absolument. Comment on peut faire les deux? En fait, je dirais, les gens me posent beaucoup cette question-là, mais d'abord, le premier mythe qu'il faut que je tue là-dedans, c'est l'idée que je vole uniquement dans des temps, des conditions qui sont très clémentes. Donc moi, j'aime beaucoup voler le matin ou en fin de journée, quand les vents sont morts, il n'y a pas du tout de vent, et les turbulences, il n'y en a pas. Donc quand je vole dans ces moments-là, ma machine un peu est comme posée sur des rails et elle va avancer toute droite. Je lui donne juste la direction que je veux qu'elle prenne. Et là, vous avez suffisamment de marge de manœuvre pour utiliser vos bras et prendre les photos? Oui, absolument. Je dirais que l'avantage, le matin en plus, très tôt le matin quand je vole, il n'y a pas de pilote dans les airs. Je dirais que je suis peut-être le seul. Souvent, ça m'arrive le matin de décoller. L'été, je peux décoller à 4h30 avec le soleil. Et je vais me retrouver pendant 2 heures dans les airs avec un silence radio total. Il n'y a absolument personne qui vole. Maintenant, je dis ça, puis je vais me retrouver avec plein de gens qui vont se dire, ça y est, c'est une belle opportunité. J'aime ça parce qu'il y a vraiment une quiétude. Et donc, je peux voler littéralement. Donc, ce n'est pas comme au sol où il y a du trafic, où il y a des choses qui vont me déranger. Et là, à ce moment-là, vous avez les deux mains libres? Alors, je peux travailler à une main ou deux mains. Si l'air est vraiment très calme, des fois, je peux lâcher ma barre quelques secondes pour faire ma photo. Tantôt, évidemment, je voulais détruire le mythe de la GoPro là, qui est installée sur soi. On n'est pas là, mais, non. Mais l'appareil est gros? Est-ce que l'appareil est lourd? L'appareil est assez gros, oui. Ouais. C'est assez gros, mais en fait, je dirais que c'est sûr que je ne suis pas photographe débutant, donc je sais comment fonctionne un appareil photo. Je n'ai pas besoin de réfléchir longtemps en vol. Ça devient des réflexes. À un moment donné, quand on connaît sa machine, on est capable de la contrôler rapidement. Donc, moi, je vais me positionner avec mon appareil, mon ULM, par rapport à l'endroit que je vois qui m'intéresse. Puis là, je vais pouvoir régler mon appareil photo très rapidement, faire mes photos. Et vous êtes à quelle altitude? Je vous dirais, j'aime bien voler entre 1000 et 1500 pieds. C'est à peu près l'altitude que je trouve la plus intéressante. Combien d'heures de vol pour arriver au résultat de ce livre? À peu près 130 heures de vol. Moi, j'ai calculé à peu près 13 000 km de vol. 13 000 km? Oui, c'est ça. Faire le moustique au-dessus du Richelieu.
Mais en fait, ce sont des chiffres qui paraissent gros et ce sont des chiffres qui sont gros, mais j'aime ça. Sur deux ans. C'est sur deux ans. Deux ans et demi, ça m'a pris. Deux ans et demi, oui. Et là, ce que vous vous êtes dit, bon, là, je veux avoir la rivière au grand complet. Voilà. Donc là, je veux autant avoir le bout, je ne sais pas, à Venise, à Saint-Paul, qu'à Saint-Denis, voilà. qu'à Sorel. Bon, oui, absolument. Donc, en fait, j'ai commencé, puis c'est sûr que en voyant ma région, bon, au début, j'ai commencé à photographier proche de ce qui était de Saint-Hilaire, le Mont-Saint-Hilaire, les municipalités aux alentours. Puis c'est là que mon idée est venue, quand j'explorais un peu le Richelieu et puis la route du Richelieu, qui est une route qui est fantastique à explorer. En voyant ça, je me suis dit, mais pourquoi pas faire le cours d'eau au complet? Et puis l'idée m'est venue, j'en ai parlé aussi, j'ai eu l'occasion de parler un peu avec Tourisme Montérégie, qui ont été un partenaire fantastique pour m'aider à réaliser. Et la Crée Montérégie Est aussi, qui m'ont aidé beaucoup pour ça. Bon. Évidemment, dans la région ici, depuis quelques années, on avait beaucoup de photos aériennes, mais qui émanaient principalement des montgolfières. Donc, oui. Il y a souvent des paysages de montgolfières avec, la rivière en dessous. Ça, on en a vu des centaines, voire des milliers. On a déjà vu aussi d'autres ouvrages, mais qui étaient faits à partir de Cessna, où ça devient parfois un peu plus complexe parce que le déplacement est quand même assez rapide. Parfois aussi, on est pris avec l'aile ou le poteau. Oui. Très difficile de faire du cadrage. Là, vous, évidemment, vous avez comme... Bien, c'est ouvert. C'est ouvert. C'est très ouvert. Il y a moins de contraintes visuelles. Absolument. Donc, c'est pour ça que c'est très pratique. L'ULM est une machine qui est fantastique parce que j'ai peu ou quasiment pas de carrosserie autour de moi. Donc, ça me permet d'avoir une plage de travail qui est très, très large, ce qui, pour moi, est fantastique pour travailler. Bon. En même temps, j'en ai vu quelques-unes, évidemment, il y a des photos qui sont un peu à tout moment de l'année. Il y a des photos oui. d'hiver, mm-hmm. il y a des photos de plusieurs saisons. Il y a aussi des photos parfois où c'est très nuageux, oui, où parfois ça ne l'est pas. Donc, il y a beaucoup de variantes oui. dans les prises de vue que vous avez faites. Bon, et c'est pour ça, en fait, c'est ce que je cherchais aussi. Je cherchais à avoir, je dirais, un bel éventail de ce que la région m'offre. Et c'est pour ça que je suis sorti souvent, en fait, parce que, bon, il y a des matins, on sort et puis c'est moins intéressant. Et il y a des jours où on va avoir une belle pêche, entre guillemets, puis d'autres, ça va être complètement mauvais. Est-ce qu'il y en a une en particulier que vous aimez plus que les autres? Je voudrais pas me mettre des municipalités à dos. Mais est-ce qu'il y a vraiment, vous vous dites, là, bon, aujourd'hui, là, tel jour, tel matin, là, c'était vraiment comme la prise de vue la plus belle que j'ai réussie parce que le contexte s'y prêtait, bon... J'en ai plusieurs dans le livre, ouais. J'en ai plusieurs. J'en ai une qui m'est... vous me dites ça et puis je pense à un jour où j'ai eu l'occasion de décoller me disant... Je ne suis pas sûr que ça va être une bonne journée. C'était en fin de journée, puis je suis parti. J'avais un doute, j'avais un vrai doute. Et je suis parti, je suis venu au-dessus du Fort Lennox. Et en l'espace d'une fraction, je dirais peut-être une minute, tout s'est mis en place. Tout s'est mis en place, c'est la magie de la lumière, tout s'est équilibré. Et là, j'ai fait une photo, je le savais. Je le savais que j'avais saisi un moment magique, exceptionnel. Et c'est une photo qu'on retrouve dans la section de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Ça a été un moment magique. Un autre moment magique que j'ai eu, qu'on voit sur la couverture, qui est un matin où... Ça ne s'est jamais reproduit, en fait. C'est la seule fois que j'ai vu ça. Souvent, je vois du brouillard qui va se provoquer ou qui va se créer au-dessus du Richelieu. Mais ce matin-là, il y avait juste un léger vent qui poussait tout d'un seul bord. Alors, ça donnait cette photo qui est quasi surréaliste. Et les gens me disent, mais c'est du Photoshop. Je dis, non, c'est pas du Photoshop. C'est vraiment ce que j'ai vu, ce vent qui poussait tout d'un côté. Est-ce qu'il y a eu des contraintes? Est-ce qu'il y a eu des bris d'équipement? Est-ce qu'il y a eu parfois des difficultés là, sur les 130 heures de vol? Non, bris d'équipement, je n'en ai pas eu. C'est sûr qu'il y a des fois, j'ai eu l'occasion de décoller, et puis bon, la météo a changé. Ben, dans ces cas-là, j'arrête. J'arrête de faire mes photos, et puis je vais me reconcentrer sur mon pilotage. Pour retourner me poser, je sais qu'il y a eu un matin où je décollais de Saint-Mathieu-de-Belleuil et malgré ce que la météo prévoyait, ben, les nuages se sont installés un peu trop rapidement à mon goût et je ne pouvais plus me poser à Saint-Mathieu. Donc là, j'ai fait diversion. Je suis parti aller à Saint-Hyacinthe, me poser à Saint-Hyacinthe en attendant que ça s'éclaircisse. Comment on arrive à trouver ces repères quand on est dans les airs? Au début, c'est très difficile. Au début, en fait, moi, j'étais complètement perdu. Bon, c'est sûr qu'on a toujours accès à une sorte de GPS qu'on peut utiliser en vol qui va nous aider. Mais ça, c'est la machine qui parle. Mais visuellement, effectivement, les repères au départ, on a besoin de les reprendre. Et ce n'est pas évident. Alors, évidemment, il y a le Mont-Saint-Hilaire qui est facile,
comme point de repère, parce que d'un bord et de l'autre du Richelieu, il est là, il est présent. Mais hormis ce point-là, au début, c'est vrai qu'on est un peu perdu. À quel endroit les gens pourront-ils se procurer le Richelieu à vol d'oiseau? Alors, il va être en vente. Ben, actuellement, il est en vente chez Citation, Bureau Pro Citation à Belœil, à Saint-Hyacinthe. Il va l'être aussi chez L'Or Photo, ici à Saint-Jean. Il va l'être au Fort Lennox, au Fort Chambly. Et il y a quelques autres endroits actuellement avec qui je suis en train de parler. Il est au Biophare aussi, à Sorel-Tracy. Il y a différents endroits que je considère actuellement pour le mettre en vente. Et est-ce que ce projet-là va vous emmener vers un autre projet éventuellement? Est-ce qu'il y a d'autres régions au Québec qui vont être jaloux? Oui, oui. Et qui vont oui. dire, ouais, ça ne vous tente pas de venir faire un petit tour par chez nous? Mais écoutez, je ne veux pas en parler là, mais effectivement, il y a des régions qui me titillent, qui viennent me chercher, que j'ai le goût d'aller photographier. Donc oui, effectivement, j'ai d'autres projets qui s'en viennent. Bon. Et ça fait longtemps que vous faites de la photographie? Oh, ça fait plus de 20 ans. Ça fait 25, 26 ans que j'en fais. Et à quel moment la photographie a-t-elle pris le dessus pour devenir une occupation importante dans votre vie? Ça fait longtemps que c'est une occupation importante. Mon problème, c'est quand je travaille pas, je fais de la photo, j'aime la photo. Je veux dire, vous faites quel type de photo, la mise à part celle qu'on voit? Je fais du studio. Je fais de la photo de produits aussi. Les gens qui sont intéressés de voir ce que je fais, ils peuvent le voir sur mon site laurentluqx.com. Donc, je fais principalement du studio, du portrait, des photos de produits, d'architecture. J'aime énormément ça. Et évidemment, cet aspect aussi qui me plaît beaucoup. Et cette piqûre pour le pilotage et la photographie. Exactement. Qu'on retrouve dans Le Richelieu à vol d'oiseau par Laurent Luqux. Excellent. C'est bien dit? C'est très bien dit. Donc, félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente bien sûr le Babillard quotidien. Le réseau Aviform est toujours présent dans notre région depuis plusieurs années. Donc, il y a différents clubs de marche qui sont disponibles. Si ça vous tente, bien sûr, vous écrivez au site web là, à l'écran pour avoir plus de détails. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire et l'émission se retrouve également sur notre site Internet. Télébingo, tous les dimanches matin, 9h30 en direct, 3 500 $ en prix, carte pleine 2 000 $. Et puis, vous dire également qu'il y a 30 détaillants dans la région pour acheter vos livrets pour avoir la liste tvhr9.com ou 358-1912. La télévision du Richelieu, voici nos coordonnées pour me joindre directement par courriel, on vous le répète. Éric Latour en un mot, à commercial.tvhr9.com. Visitez le site Internet. Également, nous aimez nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et l'émission que vous regardez est diffusée tous les jours de la semaine et en rappel le dimanche à compter de 16h. À demain. Bye-bye.